Coucou tout le monde, comment allez-vous? Eh ben non, vous êtes 240. Alors merci pour tous vos messages. J'en ai eu 5, rien qu'hier soir. Eh ben oui, je suis super contente. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Si, sûrement. Ça, c'est rien, c'est une mouche qui vient de se coller. Et la mouche, c'est toi. Non, parce qu'on est en veille de mouche. Et j'ai mis un scotch à mouche. Hein, un rouleau à mouche. Ça fait du bruit, hein, une mouche. Deux, trois, quatre, cinq, bien sept ou huit, encore. Alors les ratounets, là, ils font dodo, mais je les ai pris chacun leur tour. Bon, ouais, comme ça, ils s'habituent à moi. Alors, Tiki m'a fait caca dessus. Bon, ça va, hein, trois petites crottes de rats. Ah, le mouche. Trois petites crottes de rats, c'est rien du tout, quoi. Enlever avec un Kleenex, et puis voilà. C'est pas énorme, hein. Et puis, tac, et ben, il est bien, il est sage et tout. Ouais, ni pipi ni caca. Mais ça se voyait qu'ils voulaient que je les prenne. Hein. Ils n'arrêtaient pas de grimper au barreau. Et ils ont même réussi à ouvrir les loquets de la cage. Heureusement qu'ils n'ont pas la force de sortir pour l'instant. Il va falloir que je voie ça. Parce que quand ils vont être plus grands, ils vont sortir. Hein. Bon, ça ne dérange pas tant qu'ils sont dans la pièce. C'est maintenant qu'ils puissent passer en dessous de la porte. Mais bon, voilà quoi. Il va falloir que je voie ça. Ah oui, 240. Allez, mouche. 240. Et en une semaine, 10 personnes. Ah bah bravo, bravo. Donc voilà, bah oui, très très contente. Et en une nuit, il y a eu au moins 5 personnes. Donc, bon bah moi je me suis couchée tôt, hein, vu que j'étais pas mal fatiguée. Là, rassurez-vous, ça va mieux. Ça va mieux. Je me suis réveillée à 3h en pleine pêche. Il est 3h presque 50. Et quand j'ai vu tous vos messages, eh ben, oui. Ouais, les éloquences de la chaîne, c'est sûr que la fée bricoleuse, c'est moi. Et créa Maline, bah, créa comme création, et Maline, j'ai enlevé le G comme Maline. Voilà. Bah sinon, on se fait embêter par les mouches. Alors, les ratounets, ils les chassent, mais reviennent. Alors, j'ai fait un piège à mouches. J'ai mis le scotch
Eh ben, on en a toujours. Mais il y a mon fils qui va venir m'aider pour changer les caisses des chats. Bah oui, bah, je pouvais pas. Donc, il va soulever pendant que je vais nettoyer. Mais là, c'est bon. On en met une en hauteur et puis pas ça. L'autre, on l'enlève. Oh, excusez-moi, je me réveille. Non, mais il n'y a rien. C'est juste que j'ai, voilà, les yeux secs. Et bah, quand je me réveille, ça tire. J'ai les yeux, ça tire. Alors, faire des vidéos réactions sur Twitch. J'ai pas Twitch. Twitch. Donc, mais je vais faire des lives, hein, vous inquiétez pas. Donc, samedi ou dimanche, je verrai selon ce que je serai opérationnel. Là, ça commence à aller mieux. Ah ouais, non, mais ça, je suis passée par des vertes et des pas mûres là. Hein. Donc voilà. Je vais faire des lives. Alors bon, je vous préviendrai en vidéo à l'avance. Hein. Par exemple, la veille. Voilà, maintenant, ils font dodo. Ils ont eu leur câlin, ils sont contents, ça y est, hop, dodo. Si, si, c'est rien. J'ai juste été déjeuner, prendre mes médicaments du coup, parce que dès que je me lève, j'ai besoin de prendre mes médicaments. Et puis, ben, je suis rentrée, j'étais déjà endormie. Donc voilà, c'est ce qui leur manquait, un petit câlin. Chacun leur tour. Pareil, parce que les deux en même temps, j'aurais du mal à gérer. Ah oui, c'est speed un rat quand même. Bouge. Je sais pas combien il y en a de collés dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il y en a encore. Mais comme mon fils est grand, il va m'aider à en accrocher un dans la pièce des chars, là, juste à côté. Parce que l'accrocher sur le fil de terre qui n'est pas mis à l'ampoule, ça va faire un crochet. De faire ça et puis de tirer le truc, il fait plus d'un mètre 80 donc ça va, il peut le faire. Allez, mouche, puis en plus elles sont agressives. Bon, je vais me faire une cigarette. Alors, vous étonnez pas, je fume mes mégots parce que j'ai plus de tabac. Ah! Ah non, mais là, c'est galère, quoi. Elle vous attaque. J'aurai du tabac que demain. Ouais, demain. Sinon, après, c'est mardi, donc j'aimerais mieux que ce soit demain. Heureusement que je garde mes mégots parce que les restants de tabac, eh ben il y en a. C'est fou de voir ce que les gens jettent s'ils n'utilisent pas leurs mégots.
Il y a plein de tabac dans les mégots. Bon, c'est sûr, c'est plus fort. Mais bon. Voilà quoi, quand on n'a plus de sous, on est bien content de les trouver. Alors, comment je fais? Ben, je mets les mégots dans une boîte. Une boîte en plastique. Pas un tupperware, hein. Non, non. Une boîte en plastique. C'est une salade ou un truc comme ça. C'est une boîte refermable. Bon, je sais, il y en a qui vont dire, tu fumes à côté des rats. Bah oui, mais bon, hein. Voyez la bobotte, hein. Bon, voilà. Une boîte qui s'ouvre comme ça. Tandis que j'arrive d'une main. Voilà, elle est refermable. Elle est bien pratique comme boîte. Puis ben moi, ben ça me permet de récupérer mes mégots. Les mouches. Ah, ça y est, il s'est collé. C'est il ou elle, je sais pas. S'est collé l'aile. Fait plus de bruit. Voilà, il y en a 6 ou 7. On va faire des pièges à mouches. Non, ça marche qu'avec les guêpes. Pas avec les mouches. Vous savez, avec une bouteille. Non, mais après la journée, j'ouvre. Je les laisse pas tout le temps dans la fumée, les pauvres à tout net. Une mouche. Raté. Tant pis. Je vous ai fait peur. Ben, si ça allume de travers, ça y est. Moi, heureusement que je garde mes mégots parce que comme ça, en fin de mois, je suis pas ricaraque et puis voilà. Je me figure tout le temps. Et depuis hier, je suis dessus. C'est. Voilà. Bon, j'en fume moins. Ça, c'est sûr. Pour les garder, les mégots. Mais je savais qu'aujourd'hui, je serais en pénurie. Donc, je les ai gardés. Pour aujourd'hui. Et demain, bah, je vais foncer au tabac. Alors, à chaque fois au début de mois, je fonce au tabac. Alors, je prends ma réserve de tabac, mon CBD, parce que bah, avec les douleurs, le CBD c'est bienvenu.
Et puis je me prends un petit crème. Et puis ce qui fait bar tabac. Eh ben, c'est ma petite pause du début du mois. Voilà. Petite relaxation. Voilà, en terrasse. Et bah, c'est super sympa. Regardez, ils m'ont griffé. Ils m'ont griffé, les petits. Bon, hier, j'étais bien griffée par Tac. Mais bon, c'est de ma faute, j'ai tiré. Je suis tiré sur la queue pour pas qu'il aille ailleurs. Parce que lui, il saute. Donc, je l'ai bien tenu. Heureusement. Mais après, je leur apprendrai les poules. Mais pour l'instant, ils ont peur. C'est trop. Donc, voilà. Dès que ça bouge, je regarde parce que ils sont trop mignons. Mais ce matin, à 3 h du matin, j'ai entendu du bruit. J'ai bien fait de vérifier la cage, hein, elle était ouverte. Si elle est coquin. Mais je mettrai un crochet. Ou alors je rachète une autre cage. Je sais pas comment goupiller ça. Ou faire une attache pour pas que ça s'ouvre. Je sais pas. Excusez-moi, ça me gratte. Il va falloir que je fasse un système. Parce que des rats, c'est malin. Ça, je peux vous le dire. Et ils ont déjà trouvé le système pour les ouvrir. Ils ont mangé la moitié de la cannelle. Tout à l'heure, je leur en remettrai. J'allais dire demain, mais on est déjà demain. Donc voilà. Bon, bah, les news, il n'y a rien au courrier. Il n'y a rien au courrier, donc j'attends toujours. J'attends toujours ma montre en plus. Donc voilà. Celle-là, je vais la voir. Raté. Je réveille voisin.
Bon, bah sinon c'est tout. Ouais, live samedi ou dimanche. Donc, j'espère vous voir nombreux et nombreuses. Non, mais j'espère que d'ici là, il n'y aura plus de mouches. Bon, on est vendredi. Ah ouais, demain ou après-demain. Alors, je vous préviens le matin. Comme ça me laisse le temps de me préparer. Je n'avais pas percuté qu'on était déjà vendredi. Pourtant, je prends mes médicaments, c'est marqué vendredi, hein. Complètement naze la fille. C'est pas grave. Enfin bon, là pour l'instant, j'attends que ça fasse effet parce que j'ai un peu mal au rein. Mais ça va passer. Oh, pardon, désolé. Ça, c'est le café. Non, mais elles tournent autour et elles vont pas dedans. Je vais ouvrir les fenêtres. Quand il fera meilleur, j'ouvrirai. Qu'elles partent. Ça, c'est à cause des caisses des chars. Hein. Bah oui, pas la force de les soulever, donc voilà. Et puis j'ai été mal, hein. Ça a duré pas mal de temps. Hein. Bon, bah voilà quoi. Vous avez vu? Donc c'est parti, encore un petit peu là. Mais bon, hein. Vous avez vu que c'était une allergie. Grave, hein. Tout ça à cause de ça. Antarine codéinée. Ibuprofène et codéine. Eh ben ouais. Donc voilà, j'ai récupéré mon visage. Bon, sauf là. Mais ça fait du bien de récupérer son visage. Croyez-moi. Vous avez vu la différence? C'est le jour et la nuit. Bien contente que le médecin de la douleur ait trouvé que je faisais une allergie. Mais je vous mettrai des photos dimanche d'avant et d'après. Vous allez voir la différence. Là, je le vois tout de suite. Là, je suis bien. Là, ça commence à être bien. Regardez, c'est plus gonflé comme c'était là. Donc voilà. Petit temps, ils sont l'un sur l'autre. Je me demandais où ils étaient. Ils prennent pas de place. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ils discutent.
Bah dis donc, ils discutent bien. Ouais. Ah, les mouches, ils n'aiment pas ça. Il fait c'est bon. Il va falloir que je m'occupe de la cage parce que là, ouais, il faut que je la fasse au moins 2 fois par semaine. Et ils m'ont éparpillé du sopalin partout. Ils ont même pas fait leur nid. En disant, maman, tu nous les enlèves? Ah bon, ça fait 2 feuilles de sopalin pour le nid. Parce que le coton, alors là, c'est tombé. Pour les rats, ils s'en occupent pas. Le coton, ils connaissent pas. Je vais peut-être essayer de leur faire un nid avec du coton et puis du sopalin par-dessus. Leur montrer ce que ça donne. Donc en fait, le sopalin, il faut le couper en petits morceaux. Puis après, hop, ils le prennent et puis ils vont le mettre dans le nid. C'est pas bête, hein. Ce que j'appelle le nid, c'est juste un coin où ils ont décidé de se mettre. Mais je leur achèterai une petite maison. Il faut pas que j'apprenne trop petite non plus, parce qu'après ils vont grossir. Ce que je voudrais, c'est surtout les abriter du courant d'air, si je fais un courant d'air. Donc voilà. Les news. Bah, pour l'instant, c'est les ratounets. Bah, il faut s'en occuper quand tu es tout petit comme ça. Faut les habituer tout de suite. Sinon, après, c'est fichu. Alors, j'ai de la chance, ils mordent pas. Ils sont relativement propres. Puisqu'ils recouvrent leurs excréments. Ils mangent bien, ils boivent bien. Ils sont affectueux. Que demander de plus? Tous les deux, donc ils sont bien. C'est important pour eux. Ah ouais, bah je veux tiens avec deux. J'ai dit je vais pas les séparer, ils vont être malheureux. Donc j'ai dit bon bah je prends les deux. Voilà. Pour ceux qui arrivent. Hein. Oui, les nouveaux. Voilà, je raconte à peu près ce qui s'est passé. Donc, je les ai achetés ben, mardi ou mercredi. Non, mardi. Alors après, il les a mis dans une boîte avec des trous, là. Hein. Ils sortaient leurs petits museaux pour sentir ce qui se passait. Alors j'étais là à les caresser chacun leur tour.
avant, ils étaient plus sauvages que ça. Maintenant, ça y est, ils se sont habitués. Ah bah, c'est intelligent, hein, quand ils voient que je les prends, ah bah, ils sont contents. Alors oui, pour les nouveaux, c'est tic et tac. Alors, tic, c'est le noir et blanc. C'est celui qui n'est pas bête du tout. Et tac, c'est le plus gentil, c'est le plus sage. Mais heureusement que je regarde la cage régulièrement. Ouais, il avait ouvert les loquets. Donc je vais faire un système pour coincer le loquet. Peut-être avec un peut-être unité. Soit j'utilise ceci pour bloquer. J'en ai plusieurs, hein, donc deux, ça suffira pour bloquer le truc en place. Pour l'instant, ça ira. Mais faudrait que je trouve un autre système plus complexe. Parce que monsieur, il va vite comprendre. Mais il faut que je leur fasse des activités dans la cage parce que ils doivent s'ennuyer quand même. Donc il faut que je retrouve quelque chose pour s'amuser. Voilà, je les ai pris, voilà, ils sont contents, ils dorment. Et bien sûr, chacun un retour. Ah bah ouais, mais c'est mes bébés. Hein. Ah bah oui, ils sont bébés, donc voilà. Voilà. Bon, bah je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Et puis, je sais pas, attendez. On va peut-être décider d'un jour. Après, je préciserai l'heure. Je sais pas, faut que je vise ça avec ma mère encore. Quel jour je pourrais aller chez eux. Comme ça, je programme l'autre jour pour le live. Serait mieux. Donc je vous redis ça en vidéo. Je vous dis à plus et voilà.